c'est MyApple, on se retrouve dans l'épisode 8 de Call of Nether. 8 ou 7 8 7. Attendez. 7. Oui, 7, pardon, j'ai un petit doute, j'ai un petit trou. Donc, on a creusé plein de choses sans vous, on a fait pas mal de trucs, mais vraiment pour qu'on arrive au cœur du sujet, le Nether. Donc là, on va tout checker, on va voir si on a tout... tout ce qu'il nous faut. Donc, vous voyez, on est allé, on a trouvé quelques filons de diamants. Attendez, je vais ouvrir mon inventaire. On va tout préparer. Chacun va avoir des consignes. Chacun va garder un certain nombre de choses dans son inventaire. Donc, avec tout ce à que part j'ai. Moi. À part. Parce que moi, je suis le flemmard de service. Non, c'est parce qu'il bug. Alors, moi, j'ai vraiment plein de diamants. Et on est tombé sur plein de filons. Et Ouais, plusieurs. Ouais, plusieurs, même. Et je vais vous crafter des trucs. Bon, alors déjà, on va se faire 3 pelles en diamant. Alors, je vous préviens, je risque d'être moins présent dans les épisodes, hein, comme je bug. Comme il bug un peu, mais bon, ça va encore. 1, 2, 3, 3. Allez, on se fait encore 3 épées en diamant. Donc là, j'ai déjà fait 3 pioches en diamant. Je crois qu'il y en a encore dans les coffres là-bas. 3 pioches en diamant, 3 épées en diamant. Et je pense que les épées sont vraiment les trucs qui vont le plus nous servir. Donc on va vraiment en faire. Virgile et Guigur sont en train de nous préparer du verre. Et je pense qu'ils vont nous préparer aussi du... Ah, de la canne à sucre. Je t'ai lancé de la canne à sucre. Ouais, j'ai vu ça. Oh, punaise, 2 stacks. Et Ouais, 4. Ah ouais, attends, j'ai pas tout pris. Mais t'as, quand tu récoltes de la canne à sucre, il faut que tu repasses une fois. Parce qu'il y en a qui est tombé. Ouais, tu crois que je fais quoi, là, en fait, sur la terre, en train de faire des allers-retours? Ah, j'avais pas vu. Et dans l'eau j'avais aussi. Ah, attendez. Quelques-uns. Donc, j'ai déjà crafté pas mal de trucs, j'ai plus de bois. Je vais aller en chercher, on va rassembler tout l'armement nécessaire, tout ce qu'on a préparé, nos épées. Alors moi, je voudrais bien qu'il y ait quelqu'un qui aille à la chasse au steak. Bon, même si je sais que... Ah, vite, il n'y a pas quelqu'un qui a un saut, il y a une vache. La sac au quoi ? La chasse au quoi ? Au steak. Au steak ? Steak au cochon. J'y vais. Ok, super. Bah, moi, je ne peux pas, moi, je fais rien. Parce que... Même si dans le Nether on va en trouver avec les pics zombies. Tu pourras aller couper des arbres. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, je vais balancer des trucs parce que sinon je peux pas tout ramasser. Il faut choper aussi des pousses d'arbres. Des pousses d'arbres, on en a ramassé plein. Il y a une chose que je vais être utile dans le Nether en fait. Comme avant que je me déco, je suis. Tu sais, je peux pas crever comme les monstres, comme s'ils me voyaient pas. Je pourrais vous dire où il y a des pics zombies, où il y a des ghasts, les endroits où par exemple on peut faire des trucs. Ouais, alors attends, je vais vous informer en fait. Stacker. Alors dans ce coffre là, on va stacker la cobble, la terre, tout ce qu'on va garder, la nourriture également. Alors attendez. Victor, la chasse au steak c'est vraiment pas important hein, parce que. Ouais les pics zombies. Les pics zombies c'est beaucoup mieux en fait. Parce qu'il t'en passe déjà des grillés, donc... Ouais, des grillés, ouais. C'est ça qui est pas mal. Mais les pousses d'arbres, ne les posez pas. Non, mais c'est moi qui les ai posées, parce que moi, vaut mieux rien que je garde. Prends-les, fais ce que tu veux avec. Ouais. Moi, alors, attendez, j'ai fait pas mal de pain. Attendez, est-ce que... Est-ce que quelqu'un peut me rapatrier tout ce qu'il y a dans le coffre... là-bas. Dans le coffre de Guigur, de la mine de Guigur. De la mine, parce que on a pas mal d'équipements, de stuff. Et là, j'en ai encore à vous crafter, d'ailleurs. Normalement, t'as déjà pu faire quelques pains, non? J'en ai fait pas mal, ouais. Ah, tu m'en as encore passé 2. On est alors, nous sommes à pas mal de... Oh, j'ai encore des trucs, du sucre. Nous sommes à 6 épées en diamants. Déjà? Ouais, déjà 6 épées avec ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça va vite. Ici. Ah, j'ai de l'or aussi. Faut que je le mette à fondre. Ah ouais, l'or que dans le filon que j'avais trouvé. Ouais, celui que t'avais trouvé. J'ai également de la gunpowder. Alors, on va peut-être se faire de la TNT. Bah, je sais pas, mais...
La TNT, il faut plein de gunpowder et du sable. J'en ai deux, j'ai réussi à juste m'en faire deux. La TNT. Ouais, si vous avez des planches et de la laine, vous pouvez faire des lits. Et je crois qu'il a dit que ça explosait, non, dans le Nether. C'était un plugin qu'il avait. Je crois que ça explose. Ah, c'était un plugin. Bon, on va tester. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Parce que si ça aurait été, ça aurait été pas mal. Faut que quelqu'un. J'ai encore fait. Je voulais qu'on ramasse les lits, mais ça sert à rien. Comme dans le Nether, il n'y a pas de nuit. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 épées en diamant. Des pioches, j'en ai. Je vais en crafter encore. Est-ce que quelqu'un. Essaye de faire plus d'arcs. De quoi? Essaye de faire des arcs. Des arcs. Ouais, pour les gars, ça va être le plus on important. J'ai réussi à réunir 4 arcs pour chacun. Enfin, une arc pour chacun. Et Non, moi c'est bon. Non, bah j'en ai dans les coffres, il y en a 4 exactement. Ouais, mais un seul, ça va faire short. Hein. Et un peu plus, bah ouais, mais j'ai plus de ficelles. Et 4 en moins un peu plus que. C'est bien la chasse aux araignées. Prenez aussi des coffres pour emmener dans le Nether pour stacker tout ce qu'on a besoin. Ouais, des coffres, je vais en crafter. C'est plus important en fait aussi. Parce que si on meurt avec tous les objets, vaut mieux qu'on ait quand même un endroit où on peut avoir un checkpoint. Alors je vais aller chercher. Gigur, tu peux peut-être venir m'aider. Oh punaise, il y a les creepers qui sont sortis. Alors là, vous les voyez en coloré, hein, c'est normal, c'est. Enfin, que vous voyez mieux sur la vidéo. Vous voyez quoi? Non, mais en fait, c'est un mode, ça permet de voir les monstres en doré ainsi que les loot. Donc, comme ça, c'est beaucoup mieux pour ceux qui regarderont nos vidéos. Hein. Parce que, comme ah ça, ouais. Bon, c'est à la fois bien pour moi, mais surtout pour vous. Pour que vous voyez, ouais, alors, sur l'écran, des fois, c'est un peu noir la nuit. Oh punaise, je n'ai rien eu, hein, je le tiens à préciser, je n'ai rien eu. Aucun dégât ou un petit bac du mouton. Je trouve plus. Alors, est-ce que quelqu'un a rapatrié le coffre? Hein? Le coffre non. De la mine de Gigur ou punaise. Moi, je sais pas où il est. Bah, en fait, c'est juste à l'endroit où il y a les lits. Non? Ouais, c'est ça. Ok, bah, j'y vais. Bah, moi, je peux pas y aller. Hein. J'y vais. Je peux pas ouvrir d'abord. Oh, un disque! Il m'a laissé un disque! Il m'a laissé un disque vert! Il m'a laissé un disque vert. De quoi? Le creeper. De quoi? Oh, punaise, je suis en fight avec un squelette. Pas que je meurs. Parce qu'il s'est fait tuer par un squelette. Ouais, non, mais en fait, quand le squelette tue un creeper, on a une chance qu'il donne un disque. Et il y en a des qui font des pièges pour ça. Ouais. Ah, attendez, je vais mettre un coffre et je vais me vider un peu. Celui que je mets près de la gate, c'est un peu mon stuff. Des trucs comme ça, donc des trucs importants. Pas à perdre. Donc je pense que je vais aller rapatrier tout ce qu'il y a. Oh, encore une épée. J'avais encore une épée que j'avais oublié de mettre. Hop là, l'épée. Ça, je mets ici. Moi, je dis le truc le plus important. Ouais. Le plus important, c'est le CD pour écouter de la musique dans le Nether, quand même. Ouais, franchement, moi, je dis, c'est la classe. Franchement. Il nous manque plus. Victor, tu me crées un petit coffre pour que je stocke mes trucs pour remettre aussi les machins de Gigu. C'est ce que je vais faire. Puis tout à l'heure, je m'éclate à sauter sur les trucs de la forteresse, là. Un double coffre ici, hop là. Ah oui, je vois plein de coffres dans la forteresse qui apparaissent tout seul. Là, j'en ai posé deux. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre. Ah oui, les graines. On va mettre des graines. T'as rapatrié? Non, je vais T'as rapatrié le coffre de Gigur, c'est ça? Vas-y, tout de suite. Il y a un double coffre et trois coffres normaux. Gigur, tu es en train de choper du bois normal. J'ai bugué donc. Ok. Un cheval, des chevaux, hein, Alban. Ouais. De quoi? Normaux. Ah oui. Normaux. Oh. Ah cool, il a deux. Oh non. Je suis piégé dans l'eau. Oh, punaise, il me reste un demi-cœur, vite. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je sais même pas où t'es. C'est bon. Je rentre dans la forteresse. Mais t'es tombé dans quelle eau? Dans de l'eau, je vais me prendre une côtelette, hein. Ouais, bah, même deux. Si t'avais plus qu'un cœur. Ah ouais, alors là, deux, ouais.
Punaise, ouais, même... Est-ce que les côtelettes, vous les avez fait griller? Ah non, non, j'aurais dû, punaise. Fais les griller, c'est hyper important, ça redonne deux fois plus de vie. Trop tard, j'ai déjà tout mangé, punaise. Je vais aller choper du bois de l'autre côté. T'as tout mangé, t'es un morphale. Ouais, Guigurte et Virgile, vous êtes en train de rapatrier les coffres, c'est ça? Ok. Ok, nickel. Bon, les armes sont prêtes. Et ben, on va peut-être stacker du bois, hein, du bois, de la terre. Est-ce qu'on a quelques stacks de terre? Ouais. Bah moi, je les ai tous donnés. Il est rempli, Victor. Ce que j'avais tout pris. Victor, le coffre, il est rempli. Vous avez, t'en as d'autres? Le jour se lève. Oh punaise, c'est quoi qui me frappe encore? Punaise, mais moi. Je sais pas. Moi, j'ai fait des tours de forteresse. Aidez-moi. Fais gaffe, Virgile, sur la gauche. Il y a des araignées. Vite, on prend une épée et on va la buter. Vas-y, moi, il me reste plus rien, comme vie. Bah, reste dans la forteresse, Victor. Ouais, j'avais de l'or à faire griller. Je vois un squelette devant la forteresse, donc faites attention. Oh, attends. Il y a deux ficelles buter. Par terre. Non, je les ai prises. Ah bon, bah moi je les vois encore. Et voilà, trois pioches en bon, or. Là, comme ça va être le jour, ça va être facile. On va vite chercher les araignées pour faire des arcs. Okay. Victor, juste une question. Ouais. Est-ce que dans cet épisode, on va aller dans le désert ou on fait juste gérer les affaires? Ici, on va gérer les affaires. Et ça commence déjà à le temps passe vite, hein, très vite. Et oui, je ne vais pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes, c'est embêtant, mais bientôt sûrement. Et bah moi je peux. Voilà, lui il peut y faire le malin, mais vous verrez, moi aussi bientôt. Je suis en train de faire... Oh merci pour le pain. Je suis en train de faire... Si vous voulez des vidéos de plus de 15 minutes, mettez des pouces verts, abonnez-vous à sa chaîne et mettez des commentaires. Voilà, merci d'avance. Juste de l'or. On n'a vraiment pas avancé, c'est le charbon. Parce que le charbon, il nous en faut vraiment un max. Ouais, il faut beaucoup de torches dans le laser. Parce que. Bon, des torches, ça va, on en a plein. Le charbon pour faire brûler des trucs. J'en ai deux stacks. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut aussi ramener pas mal de cobble et de bois. Une petite idée. Ouais. Juste avant de partir dans le laser, on va récupérer presque toutes les torches qui sont sur la forteresse et en dehors. Comme on ne reviendra plus dans le monde. Ouais. Comme ça, on aura plein de torches et toute la cobble de la forteresse. Ok, ouais, très bonne idée. Très très bonne idée. Comme ça, on gaspille rien. Oui, je suis écologiste. Voilà, déjà 13 minutes que la vidéo. Ça dépend déjà. On va bientôt se quitter. On va tout checker. On va tout attribuer à quelqu'un. J'y arriverai un jour. Les rôles. Ça fait 13 minutes. Et donc, on va se quitter. On va attribuer à chacun les objets qu'ils vont transporter. Et on se retrouve dans le 9e épisode. Non, dans le 8e. Moi, j'y arriverai jamais. En fait, t'avances tout le temps. Le 8e. J'ai tellement hâte d'y être. Hein. Comme la poule noire, la poule maudite. Au billard. Ah oui. Le 8e épisode sera l'épisode maudite. Je n'espère pas, donc l'épisode où nous rentrerons dans le désert, où nous partirons en enfer. Et on se quitte, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à celle de TheAlbano71 et Guigur13, et de mettre des commentaires et des pouces verts. Merci à tous, à bientôt.